Good morgen, allez, Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat Fortuné Bat Luisa, Moshe Ben Yaakov Tara Bakohen et Rafael Zulun Ben Yitzhak. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah Kodesh de 5 minutes éternelles, nous étions à Seret Psachim, Perek Zain, Mishnah Yud Alef. Kol Anechal, Beshor Agadol, Yeachel Bigdi Harach, Verashek Nafaim, Vasechusim. השובר את העצם בפסח הטהור, הרי זה לוקה 40. אבל המותיר בטהור והשובר בטמא, אינו לוקה את ה-40. On va parler de deux sujets différents dans notre Mishnah. On commence par traduire « Kol ha-nechal beshor ha-gadol » tout ce qui est consommable dans un taureau grand adulte, eh bien, « Ye'achel bigdi harach » il sera consommé dans le petit, dans l'agneau moelleux. Qu'est-ce qu'il raconte? On va expliquer, bien sûr. Les Rachek Nafaim Veaschusim. Rachek Nafaim, littéralement, et la tête des ailes, en fait, les ailes, c'est les épaules, qui font un peu comme ça, et la tête des épaules, le haut des épaules, Veaschusim et les cartilages. Il y a deux halachot qui sont intrinsèquement liés. Korban Pesach, et on va l'apporter, on a le devoir de manger tout ce qu'il y a dedans, et de ne rien laisser. Pire que ça, si on veut s'associer pour un Corban Pessah, on veut savoir, on a envie de faire un Corban Pessah à 40 personnes. Un méga cédère, on veut 40 personnes qui vont manger de ce Corban Pessah. Il faut que les 40 personnes aient au minimum un kazaït du Corban à manger chacun. D'accord? Au moins un kazaït pour chacun qui lui arrive dans son assiette et qui va le manger pour pouvoir accomplir la mise du Corban Pessah. Du coup, alors maintenant, le sujet de notre mission, il est de savoir qu'est-ce qu'on va considérer comme de la viande. Pour ces deux halakhot, est-ce qu'on peut s'associer en considérant que c'est de la viande? Et a posteriori, si on a laissé cette partie-là, est-ce qu'il faudra la brûler ou pas? Parce qu'on a déjà dit, même dans la mishnah précédente aussi, si on a laissé un os où il n'y a aucune moelle dedans, il n'y a rien à manger, un os, ça se mange pas, tu le jettes à la poubelle. Peut-être pas respect pour le Korban Pessah, il faudra l'envelopper, mais en tout cas, on n'a pas de devoir de le brûler. Le devoir de brûler, c'est que sur la viande qu'il reste. Du coup, c'est question essentielle de savoir qu'est-ce qui est mangeable. Or, vous savez qu'il y a des choses que différentes parties de l'animal, que lorsque par exemple il est jeune, elles sont des parties qui seront consommables, et plus il va vieillir, plus ça va devenir dur et immangeable. J'imagine, je peux tout à fait voir, imaginez les cœurs de palmier par exemple. Vous savez que les cœurs du palmier, c'est la vraie branche de palmier qu'ensuite qui va grandir. Seulement on l'attrape quand il y a les cœurs, et on le fait mariner, puis il devient non consommable. Après il va grandir, il va durcir. Même principe aussi avec toutes sortes de cartilages. Lorsque c'est encore jeune, c'est consommable, facilement, peut-être parfois même en le cuisant un peu plus, mais on pourra tant bien que mal le manger. Donc c'est considéré a posteriori comme de la viande. Si on veut s'infiltrer dans une traboura, dans un groupe de personnes, et dire « bon, moi, donnez-moi des petits bouts de cartilage », est-ce qu'on va considérer que c'est de la viande? Alors là, la Mishnah me donne un paramètre. Imagine un taureau. À Korban Pessah, on ne fait pas de taureau. À Korban Pessah, on fait un agneau, ou de la famille des béliers, ou de la famille des chèvres. D'accord, des moutons ou des chèvres. En Benjana, d'un an, donc il est jeune, il a encore les cartilages tout frais. La Benjana me dit, prends en parallèle, regarde dans un taureau qui est déjà adulte, qu'est-ce qui est consommable là-bas, ce que tu pourras manger, ben maintenant, Begdi Harach, ça s'applique, c'est de la viande. Ce que tu ne pourras pas manger la viande là-bas, ben Begdi Harach, même si l'agneau est encore tout jeune et frais et que c'est encore consommable, c'est pas considéré comme de la viande, on ne pourra pas être considéré, s'associer sur une traboire en mangeant. Alors du coup, la Mishnah me donne un exemple de choses qui seront, en l'occurrence, consommables. Rachek Nafaim, je ne sais pas exactement c'est quoi le haut des épaules, là, j'ai du mal à comprendre un peu quoi. Apparemment, il y a deux interprétations. Vas Chusim, c'est les cartilages. Et en fait, un avis, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que deux choses? Srous, c'est les cartilages. En tout cas, c'est rapporté comme ça dans le Barthénora, par exemple. Il rapporte Mawa Nechal Beshor Agadol, Rachek Nafaim. Et à Srous, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, on dirait qu'il un, c'est l'autre. En tout cas, Beroche kafayere, à katef, en haut du haut de l'épaule, ou bien Veshansursim Kigorantanu Chaosen, le haut de l'oreille, c'est un cartilage, que même un taureau adulte, on peut encore prendre l'oreille, la faire griller et la manger, il y aura quelque chose de consommable. C'est pas être en train de manger des os ou des. D'accord? Voilà, on a interprété donc la première partie de la Mishnah. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah. À Chauvert, maintenant on va s'intéresser à l'interdit de Ve'etzem lotish beruvo. On n'a pas le droit de casser un os du Korban Pessah.
Alors, la Mishnah va me préciser dans quelles conditions, quel type de korban exactement, dans quelle sorte. C'est-à-dire, à Shover et Taetsem be Pesach Ataor. Celui qui casse un os du korban Pesach, qui est pur, c'est-à-dire que tu l'as fait dans la pureté, comme ce qu'on a évoqué et qu'on va rappeler dans deux secondes, a résé l'Oka Arbaïm, et bien il sera l'Oka Arbaïm. Si tu as pris un os pendant le sort du céder, tu l'as cassé pour sortir la moelle, pour la manger, ou peu importe, tu as cassé l'os, tu transgresses l'interdit de... D'ailleurs c'est fréquent, parce que quand on fait des grillades, imaginez, on doit prendre, laisser le korban entier, le virochoal, le krav, le gval, kirbo, il faut le laisser entièrement et le faire rire entièrement. Ce serait plus pratique à un moment de casser un petit peu, on prend une hache, une petite hachette, il y avait des hachettes spéciales, et puis on casse un bout, comme ça va commencer à cumuler cuire à l'intérieur, on n'aura pas le droit de le faire. D'accord? Donc la Michel me dit, à Rizel Okarbaïm, il sera frappé 40 coups, il transgresse un interdit minatora oya. Il transgresse un interdit comme tous les laves où il y a une action, t'as cassé avec un couteau, t'as cassé l'os, tu transgresses un interdit de la Torah. Pourquoi Betahor? Par opposition à ce qu'on va voir tout de suite. Par contre, celui qui va laisser du corban, de la viande de Corban Pessah jusqu'au lendemain. Véachover Betamé, celui qui va casser un os d'un Corban Pessah qui a été impurifié, mais c'est pas qu'il a été impurifié, c'est beaucoup plus profond, on va expliquer tout de suite. Et il ne sera pas frappé les 40 coups. On parle en fait, on va rappeler l'histoire qu'on avait appris quelques minutes en arrière, j'ai plus le péri précédent, je crois. On avait que le Corban Pessah, si. Toutefois, le rov du Ham Israël, il était impur cette année, et il était impur parce qu'il était en contact avec un mort, eh bien, on pourra apporter au Beth Amikdash le Korban Pessah tous ensemble dans l'impureté. Imaginez, Yehovah Navi ne va pas venir d'ici le 15 Nissan. Non, il va venir plutôt. Il ne va pas venir d'ici vendredi. Parce que s'il vient, alors on pourra ensuite se purifier et asperger les eaux d'aspersion. Les eaux d'aspersion 3 jours et 7e jour, pour ensuite être pur et apporter notre Korban Pessah, Bezrat Hashem, dans moins de 2 semaines, à Yerushalayim. Si toutefois il est à Wanavi, train à venir, il viendra que la semaine prochaine, donc on n'aura plus le temps de devenir pur, il n'y a aucun problème. Tout l'âme Israël, on va tous ensemble au Beth Amikdash, et on fait le Korban Pessah alors qu'on est tous impurs. Il n'y a aucun problème dès qu'on est, on a l'impureté du, l'impureté, je parle l'impureté des morts. D'accord? Non, d'avoir été en contact avec les morts. D'accord? Donc maintenant, ça c'était le Korban Pessah qu'on apporte dans l'impureté. Et il y a le passouk déduit que l'interdit de casser un os, il est spécifique sur le Korban Pessah que l'on fait dans la pureté et pas dans l'impureté. Ve'etzem lotish beru bo, pour lui et pas pour l'autre. D'accord? C'est comme ça que la Gemara interprète. Ça c'était pour la dernière petite phrase, mais il manquait un petit mot qu'on a un peu sauté, c'était Amotir Betahor. Celui qui laisse du Korban Pessah, on a déjà dit. L'autodiro mimenoat boker, la notar mimenoat boker, baesh tisrofu. Vous ne laisserez pas du Korban Pessah jusqu'au matin, et lorsque vous laisserez du Korban Pessah jusqu'au matin, eh bien vous le brûlerez. Là, on a une grande règle. Lave anitak leasé. Un lave, un interdit de la Torah, que la Torah la rattache à une mitzvah tassé. Que quelque part, quand tu la Torah elle m'a donné une mitzvah tassé, que quand j'ai transgressé un interdit, j'ai la possibilité de réparer l'interdit. Sur ça, on a une règle que puisque la mise à tasser, elle vient pour réparer le lave, alors on n'est pas frappé sur un interdit pareil qu'on transgresse. C'est-à-dire, chaque fois qu'on transgresse un interdit de la Torah, un lave, alors on doit recevoir les Malkut Arbaïm, on doit recevoir les 40 coups. C'est pour ça que celui qui casse un os dans un combat de Pessah habituel, pur, il reçoit 40 coups. Mais par contre, celui qui va casser celui qui va laisser de la viande, il n'a plus envie de manger, il va la laisser comme ça jusqu'au lendemain. Eh bien, puisqu'il a la possibilité de réparer son interdit en brûlant ce qui reste, il ne transgressera pas l'interdit. Ça, c'est une interprétation. Il y a une deuxième interprétation dans la Gemara aussi, qui dit qu'il y a une deuxième raison pourquoi on n'est pas frappé sur ce lave de laisser du Korban Pessah, c'est parce que c'est lave chez Enbomassé. Tu transgresses un interdit passivement. Casser un os, c'est faire une action. Laisser le Korban Pessah jusqu'au lendemain matin, tu restes passif, tu ne fais rien concrètement. Dans les interdits qu'on transgresse de la sorte, alors on n'est pas loqué, on ne reçoit pas des 40 coups. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov Sarah.